Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'éducation joyeuse. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo spéciale confinement parce que c'est d'actualité. Moi, je ne suis pas confinée avec des enfants, mais je pense qu'il y a tout un tas de familles, de parents qui se retrouvent avec leurs enfants à 24 et c'est peut-être la première fois pour eux. Alors, je me disais que peut-être quelques méthodes qu'on utilise, nous, animateurs, en séjour, quand on gère la vie quotidienne, ça pourrait aider ces parents-là. Et aussi quelques idées d'activités, de comment organiser les choses pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Pour soi déjà, pour soi en tant qu'adulte, et puis évidemment pour nos enfants. Tout d'abord, il y a quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est de pouvoir donner la possibilité aux enfants de comprendre pourquoi le confinement est nécessaire. Parce que quand on a une contrainte qui nous est imposée par l'extérieur et qu'on ne comprend pas le sens, on a souvent du mal à avoir envie de l'appliquer, à avoir envie de la respecter. Donc leur expliquer les dangers, leur expliquer pourquoi c'est très important, eh bien, pour nous, pour soi-même, c'est aussi très important pour les autres, c'est une façon de protéger ceux qui nous entourent, les personnes qu'on aime. Du coup, de leur expliquer vraiment les dangers, il me semble que c'est nécessaire. Ils sont capables de comprendre, alors évidemment, en fonction de leur âge, on va adapter nos mots et bien sûr, on ne va pas les mettre dans quelque chose d'angoissant ou quoi que ce soit, mais leur expliquer les dangers. Leur expliquer aussi, eh bien, les possibilités, les espoirs qu'on a, comment le fait qu'on soit confiné va permettre justement de protéger tout le monde. Ça me paraît aussi très important de pouvoir donner la possibilité aux enfants d'exprimer leurs émotions. Peut-être ils ont peur, peut-être ils sont tristes de ne pas aller à l'école, de ne pas voir leurs copains, peut-être ils se sentent seuls, etc. Et toutes ces émotions, je crois qu'elles sont difficiles à vivre, nous, même adultes, certainement qu'on en a aussi. Et c'est important de pouvoir les exprimer parce qu'une fois qu'elles sont sorties de nous, une fois qu'on a pu les confier à quelqu'un, eh bien, elles nous font moins de mal. Et par rapport à ça, je vous invite à écouter une émission de France Inter, donc Grand Bien Vous Fasse, qui s'appelle « Comment aider nos enfants et nos ados à exprimer leurs émotions ?» Cette émission est vraiment super, elle donne plein de méthodes, elle explique pourquoi c'est important et le fonctionnement aussi dans notre cerveau de ce cheminement émotionnel. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, je ne saurais pas la résumer là, tellement il y avait des choses pertinentes. Donc je vous invite à l'écouter, ça vous donnera des outils pour savoir comment faire pour permettre à vos enfants d'exprimer leurs émotions. C'est intéressant, par exemple, alors c'est ce qu'on fait en séjour, d'organiser des petites réunions où chacun peut exprimer un peu comment il va, quelles idées il a pour l'avenir, qu'est-ce qui lui fait peur, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui qui était super et qui l'a rendu joyeux, etc. Ça peut être journalier, ça peut être une petite réunion chaque jour, c'est pas obligé d'être très long, mais ça peut permettre à chacun d'exprimer comment ça se passe, d'exprimer ses émotions, et du coup d'éviter de rentrer parfois dans des conflits qui sont juste un problème de communication, de compréhension, et du coup de communiquer régulièrement, ça évite ce genre de choses. Ça me paraît évidemment important de laisser la parole aux enfants pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions, mais aussi pour qu'ils puissent participer à l'organisation de la vie à la maison. Alors nous, en animation, on met en place différents outils, comme par exemple une boîte à idées. Donc il y a une boîte dans la maison dans laquelle qui veut peut glisser des idées, des commentaires, des envies, des choses qui sont difficiles à vivre pour lui, etc. Mais ce qu'il a envie de dire aux autres membres de la famille, aux autres personnes qui vivent avec lui. Il peut aussi y avoir un fil à idées, c'est-à-dire quelque part on tend un fil et sur ce fil on vient accrocher avec des pinces à linge toutes les idées qu'on a pour des nouvelles activités, pour aussi organiser la vie, la journée, etc. Ça permet que ce soit visible par tout le monde et que tout le monde puisse voir ces idées qui sont proposées et s'en inspirer et pourquoi pas les utiliser pour organiser la journée du lendemain. C'est intéressant d'organiser aussi des réunions, donc comme je le disais, pour exprimer ses émotions, mais aussi pour proposer des choses à tout le monde. Et en faisant ça, on participe aussi à l'éducation à la citoyenneté de l'enfant, parce que s'il est acteur de la prise de décision, il va falloir qu'il réfléchisse à ses décisions, il va falloir qu'il réfléchisse à ses propositions, à comment faire pour que chacun puisse avoir droit à la parole, comment argumenter ses choix, argumenter ses idées. Tout ça, ça fait partie de l'éducation à la citoyenneté qui est faite à l'école, et du coup, c'est l'occasion d'en rajouter, c'est l'occasion d'expérimenter ça aussi à la maison dans le cadre familial. C'est aussi super intéressant de pouvoir construire la journée ensemble. Alors,
moi, je vous invite à faire une journée type. On peut garder le fonctionnement du lundi au vendredi, ben, c'est des jours de semaine. Et puis le samedi et le dimanche, c'est des jours de week-end, donc qui ne sont pas forcément les mêmes. On peut garder cette structure-là parce que c'est une structure qu'on connaît, qui est rassurante. Et en cette période où il n'y a pas grand-chose qui est comme d'habitude, c'est important de garder des repères, de garder des choses qui nous rassurent, qui nous ancrent dans un quotidien ben, qui est un peu comme avant. C'est important pour nous et c'est important pour les enfants aussi. Je vous invite aussi à proposer à vos enfants de participer aux tâches de la vie quotidienne. Le ménage, le rangement, la cuisine, jardiner si vous avez la chance d'avoir un jardin, bricoler. En fait, toutes ces choses-là de la vie quotidienne, eh bien, c'est un apprentissage, c'est aussi c'est éducatif. En réalité, quand on travaille avec quelqu'un à ce genre de tâches, eh bien, en fait, on fait du français. Puisqu'on communique, on va peut-être lire des recettes, on va faire des maths parce qu'on va peser, on va mesurer, on va faire un tas de choses qui vont nous demander d'utiliser des chiffres. On va apprendre les sciences de la vie et de la terre si on a la chance d'avoir un jardin et d'être dehors. Et puis on va apprendre à organiser son travail, à être efficace, etc. Et tout ça, ça fait partie des apprentissages ben, qui sont nécessaires et que l'éducation nationale essaye de transmettre aux enfants. Mais là, c'est une autre façon de les transmettre et c'est intéressant de pouvoir mettre à profit ce mois qui, ben, pendant lequel les enfants n'auront pas la chance d'avoir un enseignant, mais ils vont apprendre des choses et ils vont apprendre des choses autrement. Donc ça, c'est aussi très intéressant. En plus de ça, ça vous permet de faire ensemble des choses qui sont constructives et puis vous, ça va vous libérer, ça va vous soulager d'une partie du travail que vous avez à faire. Ça va vous laisser davantage de temps libre et je pense que c'est aussi quelque chose de très important de faire attention à soi-même, être bien et dans des bonnes conditions pour avoir envie d'être avec les autres et que ça se passe bien dans le cadre familial, quoi. Si vous ne savez pas trop comment faire pour donner envie à vos enfants de participer aux tâches de la vie quotidienne, je fais une petite parenthèse, vous pouvez regarder la vidéo sur comment donner envie aux enfants de participer. Ça va vous donner quelques méthodes pour vous faciliter la vie à ce sujet-là. Et puis ça vous donnera aussi peut-être quelques idées pour mettre un peu d'imaginaire dans votre vie. Et en ce moment, comme on a du temps, c'est pas souvent qu'on a du temps, eh bien on peut aller sur le terrain de l'éducation à l'alimentation. Parce que là maintenant, on peut prendre le temps de cuisiner des produits bruts, des produits qui ne sont pas transformés, parce qu'on sait que si on achète des plats tout prêts, ben, il va y avoir du sucre, des additifs, un tas de choses qui sont vraiment pas bonnes pour nos enfants et pour notre santé à nous aussi, adultes évidemment. Et du coup, ben, c'est l'occasion d'apprendre à cuisiner, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux plats, c'est l'occasion de parler de l'apport nutritif des fruits et des légumes, de la santé, etc., qui passe à travers l'alimentation. Et ça, on n'a pas souvent le temps de le faire, ben, en ce moment, on a le temps, donc profitons-en. On peut acheter des produits bruts et les transformer à la maison. Ça peut aussi être l'occasion de faire des petites surprises, de préparer un repas pour quelqu'un de la famille et de cuisiner des nouvelles choses qu'on ne connaît pas encore. Quand je suis en séjour avec des enfants, je suis très vigilante à ce que l'équipe pédagogique, les adultes, ait suffisamment de temps individuel et aussi que les enfants aient suffisamment de temps libre parce que tout le monde a besoin, vraiment c'est indispensable à notre équilibre, a besoin de temps individuel, a besoin de pouvoir être seul à des moments et aussi de pouvoir à des moments faire ce qu'on a envie. Du coup, ne pas trop charger les journées et bien garder des temps pour soi, ce que j'ai appelé les temps pour soi, à suffisamment important. Ben pour soi-même en tant qu'adulte et pour l'enfant, parce que ça fait partie du jeu de s'ennuyer un peu. Et c'est important parce que quand on s'ennuie, eh bien on est obligé de développer une autre forme de créativité. Et on va chercher des idées dans des recoins de notre esprit qu'on n'est pas encore allé visiter. On va développer des nouveaux savoir-faire, on va expérimenter des choses. C'est pas un problème de s'ennuyer. Alors si vos enfants à un moment donné dans la journée viennent vous voir, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, eh bien proposez-leur un espace avec plein de propositions, plein de choses, du matériel, des jeux, des jouets, du matériel créatif, plein de choses, et dites-leur ben vas-y, invente ton jeu, invente ton histoire, fais ce que tu as envie. Et vous allez voir que certainement ils vont développer des trésors de créativité que vous ne connaissiez pas. Bien sûr,
Par rapport à ça, c'est important que votre enfant n'ait pas l'impression que vous le repoussez, que vous n'avez pas envie d'être avec lui. C'est super important que il puisse être en sécurité affective, parce que la créativité, le fait d'apprécier de ne rien faire ou d'apprécier de s'ennuyer un petit peu et de créer soi-même son propre jeu, on ne peut l'apprécier que si on est en sécurité affective. Donc de bien expliquer à l'enfant en lui disant, bah voilà, tout à l'heure on va passer du temps ensemble, tout à l'heure on va faire des activités, on va jouer, on va faire plein de choses, on va cuisiner, etc. Mais là, eh ben, c'est un moment pour soi, c'est un temps où chacun va faire les choses de son côté. Moi j'ai besoin de ce temps-là, toi tu as besoin de ce temps-là, et ce sera encore plus chouette du coup de se retrouver après, et on appréciera encore davantage d'être ensemble. Mais ce temps-là, il est nécessaire, ou alors aussi parce que moi, adulte, ben, j'ai des choses à faire d'adulte, et c'est important de pouvoir le dire aux enfants. Je pense qu'ils peuvent comprendre, en tout cas nous on le fait, parfois les enfants on leur explique, ben, là c'est un moment où c'est chacun pour soi, là les adultes ne sont pas en train de te proposer quelque chose, c'est à toi de créer ton propre jeu et de trouver ce que tu as envie de faire. Donc voilà, ça fait partie, pour moi ça fait partie de l'organisation de la vie quotidienne, ça fait partie de ce qui est important pour l'équilibre de chacun, de l'adulte et de l'enfant aussi. Par rapport à ça, je vous invite aussi évidemment à éviter les écrans, parce qu'en fait, quand on est devant un écran, eh bien, on ne répond pas à nos besoins physiologiques. Physiologiquement parlant, on n'est pas fait pour être devant des écrans, et du coup, l'écran va nous mettre dans un état physique pas super, on va pas être en très grande forme. Du coup, notre envie, notre motivation à faire d'autres activités va aussi baisser. C'est un peu la solution de facilité, l'écran. Ben, à chaque fois que l'enfant va s'ennuyer, hop, il va aller se mettre devant un écran. Et ça ne lui permet pas d'avoir cet espace de créativité dont je parlais tout à l'heure. En plus de ça, comme on a des journées où ben, il y a beaucoup de temps libre, du coup, le risque est que les enfants passent vraiment beaucoup de temps, beaucoup plus de temps devant les écrans que d'habitude. Et il y a des risques sur leur santé, il y a des risques pour leur développement. À ce sujet-là, je vous invite à lire La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, qui est un livre formidable et qui nous explique l'impact des écrans sur nos enfants et les dangers que ça représente. Du coup, en prenant en compte tout ça, je vais vous proposer une journée type pour le confinement. Tout d'abord, comme c'est l'occasion de récupérer le sommeil qui nous manque d'habitude, eh bien, on va pouvoir dormir autant qu'on en a besoin. Donc le lever se fait chacun et chacune à son rythme quand il en a envie. Et puis ensuite, on peut enchaîner sur un petit réveil du corps avec du yoga pour les enfants, de la danse. On peut mettre de la musique et danser librement ou bien chercher des vidéos sur YouTube de yoga avec les enfants. Bien sûr, un petit temps d'école est nécessaire, entre 3 quarts d'heure et 1 heure pour être bien concentré et bien essayer de faire les exercices que l'enseignant ou l'enseignante vous a sûrement transmis ou bien ceux qui sont dans les manuels scolaires. Et après l'enseignement, eh bien, ça peut être le moment de l'éducation à l'alimentation, où on va cuisiner ensemble de bons petits plats à partir de produits bruts et pour avoir un repas qui soit bon et sain pour le corps. Et quand il s'agit de faire la vaisselle et de ranger, eh bien, peut-être vos enfants sont suffisamment autonomes pour participer et faire chacun leur tour, soit eh bien, on va le faire ensemble pour apprendre à faire la vaisselle et pour qu'un jour eh bien, ils deviennent autonomes sur ce sujet. Et ensuite, vient le temps pour soi. Le temps où on peut faire ce qu'on veut, rien, ou bien s'ennuyer, ou bien faire des activités, ou faire un tas de choses, en tout cas, juste ce qu'on a décidé de faire. Et puis, ça peut être le temps de la lecture collective. On choisit un livre ensemble et chaque jour, eh bien, on en lit une petite partie. Si vos enfants sont capables, eh bien, ils peuvent lire à voix haute une partie. C'est excellent pour eux parce qu'ils vont s'entraîner pour l'école. Et puis sinon, eh bien, c'est vous qui lisez des passages de ce livre chaque jour. De nouveau, un peu d'école. Et youpi, c'est le temps des activités, les activités créatives, sportives, ludiques, éducatives, nature, peu importe, en tout cas c'est le temps où on va s'amuser. Pour avoir quelques idées d'activités, celles que moi je préfère, eh bien attendez quelques minutes, dans cette vidéo je vais vous en proposer. Et puis de nouveau un temps pour soi ou alors le temps des douches, ça dépend comment vous organisez votre vie quotidienne. Et de nouveau un temps de préparation de repas que vous pouvez faire tous ensemble ou tout ensemble si vous êtes motivé à participer à l'éducation à l'alimentation de vos enfants, ça peut être encore une occasion. Et comme on n'est pas obligé d'aller se coucher tout de suite, et ben on peut organiser une petite veillée avec des jeux de société, de la lecture, on peut organiser une fête, je vous en parle dans quelques instants dans cette vidéo, en tout cas un temps convivial tous ensemble. C'est très important de bien respecter la durée de sommeil nécessaire pour vos enfants et donc de ne pas aller se coucher trop tard.
C'est pour ça que c'est intéressant de faire un retour au calme, avec peut-être une petite musique douce, raconter une histoire, etc. Et ensuite aller se coucher pour que vos enfants aient suffisamment de sommeil. Et voilà ma proposition de journée type en confinement. Alors vous avez vu, j'ai essayé de supprimer au maximum les écrans parce qu'on en aura déjà peut-être besoin pour l'école, pour travailler. Et puis on en aura peut-être un petit peu pour les temps pour soi. Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il en ait le moins possible. Évidemment, si on n'a pas envie que les enfants passent leur temps devant les écrans, et ben c'est pas mal de leur proposer des activités intéressantes qui peut-être sortent un peu de l'ordinaire. Pour ça, et bien, je vais vous en proposer quelques-unes. Je pense que vous avez déjà, vous, pas mal d'idées. Il y a pas mal de choses sur Internet. Voilà, moi, j'ai fait une petite sélection de celles que je préfère. Et je vous invite ces activités à les préparer avec les enfants et aussi à les ranger avec eux parce que bah, ça vous fait moins de boulot. Et en plus de ça, ça les implique dans cette activité, ça leur donne davantage envie de participer. En général, ils sont très très contents de participer au rangement, à la préparation, parce que en plus, ça les responsabilise, ils font comme les grands, et ça, ils adorent. Une première proposition d'activité, donc plutôt une activité dans la nature, ou bien en tout cas, quand on peut avoir accès à un petit morceau de nature pendant nos balades quotidiennes, par exemple, qui est la carte nature. Alors, on prend une carte en papier cartonné, de préférence. On y met du scotch double face, alors on peut le mettre comme on veut, on peut le mettre de travers, on peut le mettre en long, en entier, etc. Moi j'ai préféré faire ce format-là de carte, voilà. On enlève la partie qui empêche le scotch de coller. Alors si on se promène dans la nature avec cette petite carte et qu'on vient coller nos éléments au fur et à mesure de notre promenade, ben, je vous invite à laisser cette partie-là orange parce que du coup ça nous permet eh bien, de coller un élément par exemple ici. Hop, j'ai trouvé. Et j'ai envie de la garder, donc je la colle, tac, je la mets bien sur mon scotch de face, et ensuite je peux remettre la partie orange par-dessus et continuer ma promenade sans abîmer ma carte. Parce que tout ce qui va être en contact avec le scotch double face va coller immédiatement. Donc si ma carte tombe par terre ou si j'ai des choses qui viennent se coller qui ne sont pas jolies, et bien ce sera trop tard, ce sera collé dessus. Donc voilà, moi j'ai envie de mettre des éléments comme ceci. C'est intéressant de demander aux enfants de chercher des formes différentes, de chercher aussi des couleurs différentes. Par exemple ici, j'ai trouvé un petit cœur que la nature nous offre. On peut trouver, même à cette saison, des couleurs. On peut trouver des couleurs différentes. Les feuilles mortes aussi, elles ont des couleurs différentes. On peut parfois trouver du rouge, du marron, enfin plein de choses très sympas. On dispose ça sur notre scotch double face. Alors c'est important quand on met un élément de bien appuyer, je vais vous montrer, de bien appuyer quand on colle quelque chose. Voilà, comme ça. Pour que ça tienne bien sur le scotch et pour que quand l'élément va sécher, eh bien, il sèche dans les meilleures conditions possibles et que du coup la carte elle reste belle le plus longtemps possible. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et maintenant, il y a encore des parties qui sont encore collantes, où le scotch est encore apparent. Donc pour ça, eh bien, on va rajouter soit de la terre, soit si on a la chance d'avoir du sable, mais on peut rajouter du sable. Alors moi, j'ai des sables colorés de plusieurs couleurs. Du coup, je vais faire plusieurs couleurs sur ma carte. Mais vous pouvez utiliser la terre que vous avez chez vous et vous pouvez peut-être même trouver des terres de couleurs différentes. Donc je mets le sable sur la partie qui colle encore. Je peux en mettre pas mal, hein. Je peux en mettre franchement. Okay. Puis je fais tomber comme ça. Donc là, j'ai la partie avec le scotch qui a collé le sable. Moi, j'avais envie de faire deux couleurs, donc je vais rajouter une autre couleur au centre. Je mets pas mal de sable. J'appuie bien, je fais tomber le sable. Et puis, voilà ma carte nature qui est terminée. Une autre proposition, c'est le bracelet brésilien. Alors moi, j'ai pas de fil pour bracelet brésilien chez moi. Du coup, j'ai des fils de laine. Ça peut fonctionner avec pas mal de fils différents, mais il faut qu'ils soient pas trop fins, plutôt quelque chose d'un peu épais.
Moi, j'ai choisi d'en mettre que 4, mais on peut en mettre autant qu'on veut. C'est pas mal pour commencer quand on n'en a jamais fait d'en avoir 4 ou 5. Voilà, mais pas trop trop, parce que sinon, ça va être plus compliqué. Donc, je prends mes fils, je fais un nœud au bout. Ok. Il me faut une épingle. Et je vais épingler ça, et ben moi ce que j'aime bien faire, ça me rappelle mes années d'adolescente, j'aime bien épingler ça sur mon pantalon pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir ensuite tresser mon bracelet, ok? Alors je choisis l'ordre des couleurs en fonction de ce que je veux, ben voilà je vais commencer par le jaune, moi c'est ce qui me paraît le mieux. Et du coup le jaune il va être tout à gauche de mon bracelet brésilien. Ensuite, je vais avoir le blanc, ensuite le rose, ensuite le vert. Je vais démarrer du coup avec le jaune. Avec le jaune, je vais faire un nœud autour du fil blanc. Donc, je vais le passer au-dessus du fil blanc, en dessous du fil blanc, et ensuite, je viens faire une boucle. Ok ? Et ce nœud, je vais le serrer, mais pas trop. Je refais un deuxième nœud de la même façon. Au-dessus, en dessous, et je fais une boucle. Ok. Puis je laisse le fil blanc de côté. Par contre, je garde mon fil jaune parce que c'est avec ce fil jaune que je vais continuer à tresser. Donc je prends le fil rose, je vais passer au-dessus du fil rose, en dessous du fil rose, je fais une boucle et le nœud, etc. À chaque fois, je vais faire deux nœuds. Je les serre pas trop pour que ils aient du volume, pour que ce soit pas trop trop serré. Ok. Ensuite, une fois que j'ai terminé avec mon fil jaune, eh bien, je vais faire la même chose avec le fil blanc, enfin le suivant, quoi. Ok. Donc, je prends mon fil suivant, je vais prendre le rose, je fais au-dessus, en dessous, je fais un nœud, hop, un deuxième nœud, et je mets le fil rose de côté. Je prends le fil vert, je fais pareil, un nœud, un deuxième. Ok, puis je prends le jaune et je fais la même chose. Ensuite, je vais faire pareil avec le fil rose, etc., etc. Et je vais faire ça avec tous les fils aussi longtemps que je veux, jusqu'à ce que mon bracelet il ait la forme, la taille que je souhaite. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, j'ai que fait quelques nœuds, mais je peux faire, je peux continuer comme ça, ou bien je vais pouvoir à un moment donné éventuellement changer de sens, et donc du coup avoir des nœuds dans l'autre sens. Après, il y a plein de variantes, il y a plein de possibilités pour les bracelets brésiliens. C'est pas mal pour commencer d'apprendre juste les nœuds de base, et puis ensuite, pourquoi pas d'aller voir un tuto sur internet pour faire des bracelets un petit peu plus élaborés. Évidemment, si vous savez coudre, si vous savez tricoter, ben c'est génial, c'est l'occasion de l'apprendre à vos enfants, de faire éventuellement des déguisements, de fabriquer des vêtements, de réparer ces vêtements qu'on adore et qu'on n'a pas envie de jeter. C'est l'occasion de faire un petit peu de récup. C'est aussi l'occasion de se remettre à lire. Peut-être qu'il y a des livres au fond de nos placards qu'on n'a jamais eu le temps de lire et qui c'est l'occasion de ressortir. Alors c'est sympa de lire chacun de son côté, mais c'est aussi super sympa de lire ensemble. Donc on peut se mettre des moments dans la journée, comme après le repas par exemple, pour digérer tranquillement, ou bien le soir avant d'aller se coucher. On lit un livre ensemble, en fonction de l'âge de vos enfants, évidemment, de s'ils savent lire ou pas. Et du coup, chacun lit à haute voix un passage du livre et ça nous fait une histoire commune qu'on se raconte les uns aux autres. Et si on a envie, on peut aussi inventer nos propres histoires. Pour ça, je vous propose un jeu qui s'appelle Oui et, qui est en fait un jeu d'improvisation théâtrale, mais qui peut nous servir à nous raconter des histoires les uns les autres. Il n'y a pas besoin pour ça d'être comédien. Si c'est la première fois que vous faites de l'improvisation, si c'est la première fois que vous inventez des histoires, je vous invite à faire des petites cartes qui vont vous guider, qui vont vous aider dans cette histoire. Ces cartes, on va les distribuer, mais je vais vous les présenter. Il va y avoir une première carte qui va démarrer l'histoire. Une carte où il est écrit « Il était une fois », parce que la personne qui aura cette carte-là va commencer l'histoire, donc elle va dire « Il était une fois », et elle va présenter le personnage principal, ou
les personnages principaux. C'est possible qu'il y en ait plusieurs. Ce ne sont pas forcément des humains d'ailleurs, il pourrait s'agir de chiens ou d'arbres ou de licornes, peu importe, ça peut être n'importe quel personnage, mais c'est ceux qu'on va suivre pendant toute l'histoire. La carte numéro 2 est écrite dans et le lieu, puisqu'il va falloir préciser, donc nous avons nos personnages principaux, et ces personnages principaux, ils sont dans un lieu, donc ils sont dans une forêt, ils sont dans une maison, ils sont quelque part. Ok, donc la personne qui aura ça va devoir présenter le lieu, le décrire le plus possible pour que les autres sachent à quoi il ressemble. La carte numéro 3, c'est une carte avec des actions. Qu'est-ce que le personnage principal fait dans sa vie ? À quoi ça ressemble quand on regarde ses actions du quotidien ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok ? Donc on décrit un petit peu sa vie. Quand soudain, c'est la carte suivante, eh bien, quand soudain, on se rend compte qu'il y a un élément perturbateur ou des éléments perturbateurs, c'est-à-dire des éléments qui vont venir changer cette situation initiale. Nous avions un personnage dans un lieu en train de réaliser des actions quotidiennes et classiques, quand soudain quelque chose vient perturber cela. C'est ça qui va être le cœur de notre histoire. Ensuite, il va y avoir des résolutions de problèmes. Alors peut-être que la résolution ne va pas venir tout de suite, il ne va pas y avoir forcément une résolution immédiate du problème de l'élément perturbateur. Non, peut-être que ça va se passer en plein d'étapes différentes. Ça, c'est à vous de choisir. Il va peut-être y avoir des rebondissements, parce qu'en fait, il n'y avait pas qu'un seul problème. Non, il y avait tout un tas de problèmes que nous n'avions pas encore vus. Et donc, le personnage principal va traverser tout un tas d'épreuves incroyables pour finalement, évidemment, réussir à les résoudre. Hein, parce que notre histoire finit bien. Nous avons donc forcément une situation finale. La situation finale nous indique comment ça se passe à la fin. Qu'est-ce que notre personnage principal a réussi à faire ? Comment ça se passe pour lui, où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis c'est toujours rigolo de rajouter une petite moralité. Moralité de cette histoire, c'est super sympa d'inventer des histoires les uns avec les autres. Et puis pour nous aider, parce que c'est super important quand on crée quelque chose ensemble, de vraiment accepter la proposition de la personne qui a parlé juste avant nous, la personne qui aura raconter une partie de l'histoire, pour être sûr de bien intégrer ça, à chaque fois que quelqu'un prend la parole et que c'est ensuite à nous, on va commencer par dire oui et. Par exemple, il était une fois un petit garçon qui se promenait dans la forêt. Ça, c'est la première personne qui parle. La deuxième va dire oui et dans cette forêt, il y a des choses très particulières. Il y a par exemple des arbres qui parlent et des lianes qui essayent d'attraper les pieds du petit garçon qui se promène. La personne suivante va dire « Oui !» Et d'ailleurs, le petit garçon, il joue à sauter par-dessus les lianes, etc., etc. C'est important de commencer par « Oui !» et parce que ça nous rappelle qu'on est obligé de prendre en compte ce qui a été proposé par la personne précédente. C'est la base des jeux d'improvisation. Et si les jeux d'improvisation, ça vous plaît, si les jeux théâtraux, ça vous plaît, vous pouvez aussi proposer des jeux de mime, des jeux de dessin, des jeux de modelage, où le but du jeu, c'est de se faire deviner les uns les autres des mots le plus rapidement possible. C'est intéressant de proposer des mots avec des thèmes, par exemple, on va faire le thème des animaux, le thème des métiers, etc. On peut aussi corser un petit peu la chose en disant qu'on met aussi potentiellement des expressions. Dans ce cas-là, ça devient un petit peu plus difficile à faire deviner. Mais en fonction de l'âge de vos enfants et de leur capacité aussi, vous pouvez rajouter un petit peu des choses. On peut aussi jouer à des jeux de société et en profiter pour apprendre à nos enfants à jouer aux dames, aux échecs ou à aux jeux de cartes. Ces jeux de cartes assez classiques. Par exemple, on peut jouer au poker, on n'est pas obligé de jouer de l'argent évidemment, mais c'est un jeu stratégique et très intéressant. Et du coup, ça leur permet d'apprendre de nouveaux jeux qu'ils pourront éventuellement partager avec leurs copains de retour à l'école. Une autre idée, si on est branché par la nature et par se promener dans la forêt, dans les champs, etc., si c'est votre petit plaisir, vous pouvez apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles par exemple, ou bien encore les traces des animaux.
Pour ça, il y a des sites internet qui existent, il y a des vidéos sur YouTube. Alors moi, j'ai un site que j'adore, c'est Émilie d'Éveil et Nature. Vous allez trouver ça sur internet. Il y a plein d'activités à faire dans la nature avec ses enfants. C'est super intéressant, avec des méthodes très chouettes. Et puis, c'est varié, ça permet vraiment d'apprendre pas mal de choses. Alors bien sûr, là, en confinement, on ne peut pas aller se promener dans la nature très longtemps. Et c'est pas forcément possible d'accéder à des lieux nature, mais ça nous permet d'apprendre des choses pour les futures balades qu'on fera quand on ne sera plus en confinement. Sur internet, vous allez trouver aussi sur YouTube des vidéos des chemins de la nature qui parlent aussi pas mal des plantes sauvages comestibles et médicinales. Qu'est-ce qu'on peut en faire, comment les transformer, comment les cueillir, comment les reconnaître, etc. C'est très intéressant. Si ça vous tente, vous pouvez aussi essayer avec vos enfants de faire de l'astronomie. Si vous avez la chance d'avoir un Vélux ou une fenêtre qui donne vers le ciel, ou encore une terrasse, ou bien carrément la chance d'avoir un jardin, vous pouvez aller sur le site du Planétarium Ventoux-Provence, sur lequel vous allez trouver des cartes du ciel comme celle-ci, qui sont à découper, que vous pouvez imprimer chez vous, et qui vous permettent de savoir quelles étoiles, quelles constellations sont visibles en ce moment dans le ciel. Parce que comme la Terre tourne, elle tourne sur elle-même et elle tourne aussi autour du Soleil. En fonction de l'heure et de la date de votre observation, vous ne verrez pas la même chose dans le ciel. Les constellations, on a l'impression qu'elles bougent, qu'elles se déplacent. En réalité, c'est nous qui tournons. Mais du coup, on a besoin d'utiliser une carte du ciel pour savoir quelles sont les constellations visibles en ce moment. C'est très simple d'utilisation. Vous avez ici les dates de l'année. Ici, vous avez les heures possibles de l'observation. Il suffit de mettre la date de votre observation en face de l'heure. Moi, j'utilise un petit trombone pour relier les deux, pour les bloquer. Okay. Et ça me donne, ici, dans cette partie-là qui est vide, qui est évidée dans ce trou, vous allez voir quelles étoiles, quelles constellations sont visibles en ce moment. Il y a aussi le blog de Guillaume Cana qui s'appelle « Autour du ciel » qui vous permet de savoir quelles sont les choses particulières à observer dans le ciel en ce moment, à l'œil nu. Et il y a aussi le logiciel Stellarium, si vous êtes un petit peu plus intéressé et vous avez envie d'aller un peu plus loin en astronomie, le logiciel Stellarium, il est assez facile d'utilisation, il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur internet pour savoir quelles étoiles sont visibles en ce moment. Et puis il y a un tas de choses que d'habitude on fait dans la nature, qu'on fait en extérieur, que là on peut peut-être essayer de faire à l'intérieur de la maison. Alors ça va dépendre quand même de la taille de votre maison, de votre appartement, mais il est possible par exemple, si l'enfant il a une chambre pour lui tout seul, d'y construire une cabane. Avec des tissus, des pinces à linge, des meubles, sans que ce soit trop risqué évidemment, en lui expliquant bien que trois chaises l'une sur l'autre, ça ne va peut-être pas tenir. Si en plus on y accroche un tissu, ça risque de lui tomber dessus. Mais en lui donnant quelques indications et en le laissant faire en fonction de sa créativité, il y a moyen de construire des choses assez formidables. Ou peut-être, pourquoi pas, un château de princesse dans la chambre. On peut aussi jouer à cache-cache. Si la maison est petite ou si l'appartement est petit, ça va être un peu compliqué de vraiment trouver des cachettes, mais on peut jouer à cache-cache peluche. Ce ne sont pas nous qui nous cachons, mais ce sont les peluches que l'on cache et il faut les retrouver. En plus, comme ça, tout le monde peut participer parce que si on a plusieurs pièces, il y a quelqu'un qui cache dans une pièce, quelqu'un d'autre qui cache dans une autre pièce et ensuite on échange et celui qui a trouvé le plus vite a gagné. On peut aussi mettre en place un parcours sportif avec passer en dessous d'un banc, au-dessus d'une table, doit faire trois galipettes, sauter à cloche-pied, un slalom en arrière, etc. Et ce parcours sportif, on peut le corser en devant le faire par exemple les yeux fermés. Ou avec carrément les yeux bandés et une autre personne qui nous guide. Et donc c'est simplement la voix de la personne qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Attention, va à gauche, va à droite, tourne sur toi-même, etc. On peut enrichir ça. Si vous êtes nombreux, vous pouvez aussi faire ce parcours en mode chenille les uns derrière les autres. Le premier ayant les yeux bandés et les autres devant le guider en lui donnant des petites tapes sur l'épaule. Une tape à droite, ça veut dire va vers la droite. Une tape à gauche, ça veut dire va vers la gauche. Et si on serre les deux épaules en même temps, ça veut dire arrête-toi, etc. On peut se mettre d'accord, évidemment, sur les codes. Mais ça peut être vraiment très rigolo. Alors, on fait attention, évidemment, aux angles un petit peu pointus ou aux choses un peu dangereuses. Mais on peut vraiment s'amuser sans se faire mal. Il y a aussi, sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos pour faire du yoga avec vos enfants. Le yoga en début de journée ou à des moments où on est un petit peu tendu ou physiquement on aurait besoin de se dépenser, on aurait besoin d'aller courir mais c'est pas possible, faire un peu de yoga,
ça calme, ça détend vachement. Et puis c'est rigolo, le yoga pour les enfants, il y a plein de postures qui sont très sympas, très chouettes à faire pour eux. On peut aussi organiser une grande fête. Et pour cette grande fête, eh bien, il y a plein de choses à préparer. Donc on peut s'imaginer que la fête, ce sera le samedi soir et qu'on a la semaine pour préparer plein de choses. Ben, déjà, qu'est-ce qu'on va manger ? Choisir ensemble le repas. Ou alors chacun cuisine une chose de son côté pour la faire découvrir aux autres. Il va y avoir évidemment des déguisements, et oui, parce que c'est une soirée à thème, pourquoi pas, des masques à fabriquer, de la décoration évidemment, de la décoration pour la table, la décoration pour la pièce. Il va falloir créer eh bien, des spectacles, un spectacle de danse, un spectacle de théâtre, peut-être un peu de magie, de la jonglerie, on ne sait pas, tout un tas de choses, et donc chacun peut préparer quelque chose pour présenter, pour offrir, pour partager avec les autres. Et ça, ça peut nous occuper une bonne partie de la semaine. Et puis, c'est vraiment constructif et c'est très chouette parce que ça va donner quelque chose de, ben, qu'on va vivre ensemble. Ça peut aussi être super sympa eh bien, de créer un petit carnet, un carnet de bord qui va nous permettre de noter toutes nos idées, tout ce qu'on fait, nos ressentis, qu'est-ce qui se passe pour nous pendant ce temps de confinement. Parce que c'est un moment un peu historique, c'est un moment particulier. Et peut-être que vos enfants seront contents d'avoir... d'avoir noté un peu leurs idées, ce qu'ils vivent, etc. pour plus tard pouvoir s'en souvenir. Et puis ce carnet, en plus de ça, on peut le fabriquer nous-mêmes, faire un joli carnet comme avec l'idée de la carte nature par exemple, coller sur la devanture une jolie feuille, y mettre un petit peu de sable coloré, etc. Voilà, se faire un joli carnet pour garder un souvenir de ce moment qui est très particulier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale sur le confinement, des vidéos sur l'éducation joyeuse. Il y en a plein d'autres, il y en a plein qui sont à venir aussi, notamment sur l'autorité, sur comment gérer les conflits, pourquoi parfois les enfants nous renvoient des choses très difficiles et nous font péter les plombs, comment construire une animation, comment rajouter de l'imaginaire dans notre vie, comment donner envie aux enfants de participer à ce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, comment leur donner de la dynamique, etc. Et encore plein d'autres qui sont à venir. Alors si vous trouvez ces vidéos intéressantes, si vous pensez qu'elles peuvent servir, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à le dire. Je vous souhaite un très bon confinement, j'espère que vous allez passer des super moments avec vos enfants. Profitez bien de ces moments qui sont particuliers et... c'est pas tous les jours qu'on a du temps comme ça à passer en famille, à passer avec nos proches. Donc profitons-en et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !